c'est l'un des événements de la rentrée à Hollywood, la troisième édition du festival Oh La La. La musique made in France à la conquête de l'Ouest. Trois soirs de suite, sept artistes francophones se succèdent au El Rey Theater, l'une des scènes les plus prestigieuses de Los Angeles. Premier groupe à se lancer, Nouvelle Vague, qui inaugure un nouveau spectacle conçu par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. C'est génial de pouvoir avoir des festivals comme ça, puisque les artistes peuvent s'exporter, entre guillemets, peuvent voyager, peuvent avoir l'opportunité de jouer devant des publics qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des publics français. Le festival Oh La La a été créé en 2009 par deux amis de longue date, David Martinon, consul général de France à Los Angeles, et Sylvain Taillet, directeur artistique chez Barclay. The story is that Sylvain came to me 4 years ago now with this fantastic idea of bringing French talents, French musical talents to Los Angeles. Et depuis, chaque année, le festival est soutenu par l'Institut français, l'association France-Los Angeles Échange, TV5 Monde et surtout deux sponsors de poids. KCRW, une radio mythique de Los Angeles, et Golden Voice, l'un des plus grands organisateurs de tournées aux États-Unis. When we have a partner that we really trust to help bring, you know, something new that people haven't seen or maybe we haven't even seen yet. Un festival minutieusement préparé depuis des mois par les agents culturels du consulat de France à Los Angeles. Bah, ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait on est un peu le relais de Oh La La ici à Los Angeles et on apporte tout ce que peuvent apporter les services culturels français, c'est-à-dire une expertise, une connaissance des partenaires ici sur place. L'État français a investi depuis le début à travers différents partenaires publics, les services culturels de l'ambassade de Washington, l'Institut français, la SACEM, le Bureau Export de la Musique. Développer un artiste français aux États-Unis, ça a un coût qui est extrêmement important. C'est quasiment inaccessible si le talent ou le groupe ne rencontre pas son public immédiatement. Un festival comme celui-là, en remplissant des salles, avec des belles têtes d'affiche françaises ou de production française, permet de donner de la visibilité à ces talents-là. Ce soir-là, le consulat a convié des invités de marque, comme Jason Kramer. Il est music supervisor. Les musiques qu'il écoute se retrouveront peut-être un jour dans un film d'Hollywood. C'est aussi ça le but du festival. C'est d'essayer, avec des événements comme ça, de faire découvrir des nouveaux artistes qui justement pourraient se retrouver dans des films de publicité ou des films de long métrage. Et les spectateurs, la plupart américains, semblent eux aussi conquis par cette nouvelle scène francophone.